Bonheureuse année 2014 à tous, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information sur Gabon News. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Comme il est de coutume, à chaque nouvelle année, chacun émet des vœux dans l'espoir de voir ceci se réaliser. C'est dans cette optique que les Gabonais ont tenu à faire des souhaits à l'endroit de leur nation, en compagnie des feux d'artifice et ce, dans l'enthousiasme total. Nous les écouterons dans ce journal. Et puis, un retour sur la première étape du tournoi cyclisme des trois provinces au Gabon. Le premier coup de pédale a été donné en journée jeudi dernier en présence des plus hautes autorités de la province du Moyen-Ogoué et du président de la Fédération gabonaise de cyclisme qui ont su apprécier les efforts des cyclistes gabonais. Les détails dans un instant. La Saint-Sylvestre reste derrière nous, entre feux d'artifice et bonne ambiance. Les Gabonais ont tenu à exprimer leurs vœux à la nation pour la nouvelle année 2014. Ils sont au micro de Martial Tsonga et Fren Dongo. Écoutez-les. Pour tout le monde, bonne année. Bonne année, hein, c'était magnifique. Bonne année à tout le monde. Ah, mes vœux les meilleurs à tout le monde. Que tout se passe bien, beaucoup de prospérité en tout cas. Heureux de vivre une nouvelle année, les Libreville-Lois espèrent l'amélioration de leurs conditions de vie. Je souhaite en 2014 un changement sur toutes choses auxquelles on n'a pas pu, réaliser en 2013, qu'on puisse le réaliser. Bon, l'instabilité et puis les grèves à gauche et à droite, qu'on puisse quand même modérer, au lieu qu'il y ait plusieurs grèves en même temps, qu'on puisse quand même avoir peut-être une fois dans l'année, dans le mois, dans l'année, autant pour moi. Bonne année! Qu'est-ce qu'on souhaite? Bonne année. Un peu plus de bonheur pour les Gabonais. C'est déjà beaucoup. Si on peut avoir ça, c'est pas mal. Bravo. Merci. Les événements de 2013 restent inscrits sur les pages de l'histoire, quitte à chacun d'apporter un peu plus à ce qui n'a pas été en 2013 pour que vive 2014. Et puis les Libreville-Lois ont fêté ensemble ce nouvel an sous le ciel illuminé du Quai des Esclaves en face de la présidence de la République. La tradition a été respectée avec les feux d'artifice offerts par le couple présidentiel. Beaucoup de joie, mais aussi de grosses interrogations pour l'avenir. Sampere Onuba, Muriel Ndoyene et Fren Dongo. Une tradition respectée, celle des feux d'artifice offerts par le couple présidentiel, des lumières et de l'émerveillement. Que j'ai vu ça, donc pour une fois j'ai vu que le Gabon est quand même mignon la nuit. Ah ouais. C'était super, j'ai bien aimé. Mes meilleurs vœux pour tout le monde. Bonne année. C'était super. Super. Ça a duré peut-être 20 minutes, je sais pas. Ça a bien duré. Au final, c'était parfait. C'est toujours un plaisir de venir ici et partager avec l'ensemble des compatriotes ce moment où on passe d'une année à une autre. Et je remercie le président de la République qui a initié cette soirée depuis qu'il est arrivé à la magistrature suprême. Évidemment, cela n'a pas noyé définitivement les interrogations et les craintes de certains Gabonais présents au Quai des Esclaves. Un peu plus de bonheur pour les Gabonais, c'est déjà beaucoup. Si on peut avoir ça, c'est pas mal. Une belle fête donc pour beaucoup et des peurs pour une année 2014 que l'on espère meilleure. Toujours dans l'optique de la Saint-Sylvestre, Laure Olga Gondjou a souhaité ses voeux de paix sociale, de stabilité politique et surtout que les Gabonais aient des logements sociaux décents. Le point avec Martial Tsonga et Fren Dongo. La vie en mieux, logements sociaux décents pour les Gabonais, autant de voeux pour Laure Olga Gondjou à ses compatriotes. Booster l'agriculture, le développement agricole de notre nation, c'est à cette baguette magique. Faire en sorte qu'on améliore l'habitat, donc avec plus de logements sociaux, mais qui tiennent compte de notre environnement sociologique également. Le chômage des jeunes, donc en passant par la formation et l'autonomisation des jeunes et des femmes. Une paix sociale pour un mieux-être, là aussi un souhait pour la stabilité du pays. Quand on voit ce qui se passe un peu autour de nous,
Nous devons vraiment œuvrer pour que la paix continue à régner. Et quand on parle de paix, ça veut dire que peut-être plus de justice sociale, plus de dialogue entre les uns et les autres, de manière à ce que nous puissions tous réaliser les projets contenus dans la vision ou le plan stratégique Gabon émergent, je devrais plutôt dire. Et j'en profite aussi pour souhaiter une meilleure année à Gabon News. Santé, prospérité, stabilité politique, économique et sociale sont autant de vœux pour que 2014 soit meilleur que 2013. Nous ouvrons la page sport avec le co-leader du National Foot, le centre Mberi Sport, qui espère continuer sur la lancée victorieuse face au Sogea FC, voulant renouer avec la victoire après sa défaite face à Port-Gentil FC. Leur confrontation au stade Nzengayon ouvre le bal de la troisième journée du championnat national. Voyons cela avec Mamadou Nia et la Linaf. Actuel leader du National Foot, le centre Mberi Sport affronte ce vendredi soir le Sogea FC en match comptant pour la troisième levée. Pour le coach des Semistes, l'objectif reste le même, gagner et poursuivre sur la même lancée. L'objectif qu'on a, c'est de gagner les matchs, et de rassembler les points et jusqu'à la fin, on va voir ce qui va se passer. Nous sommes là pour gagner, nous ne sommes pas là pour regarder l'équipe adverse, c'est pour gagner le match et donc voilà, nous sommes obligés d'attaquer. Les erreurs du passé rectifiées, le CMS abordera le match avec de solides arguments. Après chaque match, il y a toujours les erreurs. Et les erreurs, ça se corrige à l'entraînement. On a travaillé depuis, après le match, on a travaillé. Le coach essaie de mettre un peu une tactique en place pour aborder le match de demain dans les meilleures conditions. Ancien coach du CMS, c'est avec beaucoup de plaisir que le maître retrouve ses anciens élèves. C'est pour moi un plaisir parce que. Que ce soit Sogea ou bien que ce soit SMS, tous ce sont mes enfants, ce sont mes joueurs. Moi, ça me fait plaisir de rencontrer ces jeunes que j'ai inculqué une culture. Et c'est la même que j'inculque aussi à Sogea. Pour son capitaine, le seul objectif visé reste la victoire. Nous avions une personnalité à défendre. Le SMS, c'est une jeune équipe et une belle équipe également. Et il faut simplement dire que nous allons sur le terrain pour gagner. La confrontation CMS-Sogea FC prévue à 19h30 au stade de Zaïon de Libreville ouvre le bal de la troisième levée du championnat national de football première division. Par ailleurs, c'est en présence du préfet de la province du Moyen-Ogoué, du directeur des sports de haut niveau et du président de la Fédération gabonaise de cyclisme qu'a été donné en Jolet le premier coup de pédale de la deuxième édition du tournoi des trois provinces avec une arrivée à Lambaréné après plus de 3 heures de course. Les détails avec Douglas Tontoum et Justin Bitégué. Première étape et première surprise dans ce tournoi des trois provinces qui vise à repérer et à sélectionner les coureurs gabonais devant prendre part à la 9e édition de la Tropicale à Missabongo. Ici, à la mairie de Ndjolé, les coureurs s'élancent pour la première étape. Le rythme s'accélère, chacun prend ses marques jusqu'à l'arrivée. 3h53 et 6 secondes pour les deux premières arrivées au coude à coude. Pour moi, c'est un plaisir pour une première fois. Arriver et puis faire un résultat de ce genre, ben, je ne croyais pas. J'ai donné le meilleur de moi. Et voilà ce qui est arrivé. Le résultat, il est positif. Pour Frédéric Obian, qui s'est contenté de la seconde position, l'ambition est ailleurs. On a dit au départ qu'on lance d'abord un de nos petits, faire le boulot. Et après, moi-même, je devais déménager. Et c'est ça qui a été fait. C'est ma toute première compétition. Je n'ai pas de soucis pour ça. Mais ce qui est là, je vis seulement la grande boucle parce que c'est là où j'ai vraiment des ambitions. À ce cas-là, tropicale, tout le monde me regarde. Et je dois faire des grands progrès dessus. Pour cette première étape, le jeune Gambandage au froid a remporté le maillot jaune, celui des points chauds et celui du meilleur grimpeur. Le prix du meilleur jeune a été décerné à Cédric Tchouta, arrivé en 4e position au classement final. Et pour clore ce journal, on parle de Moukani Leris du Vélo Club Sindara de Port-Gentil qui arrache la première place à la deuxième étape du tournoi cycliste des trois provinces, édition 2014 Lambaréné-Muila en 5h39 minutes et 2 secondes sur une distance de 195 kg. Suivant ce reportage de Douglas Tontoum et Justin Bitigue.
34 km/h, c'est la vitesse maximale des cyclistes gabonais lors de la deuxième étape du Grand Prix cycliste des trois provinces, Lambaréné-Mouila, sur 195 km. C'était très très dur à partir de 150 bornes, de 3 heures de vélo déjà. C'est là où on prend un coup et puis ici il fait très très chaud. Donc il faut savoir que c'était dur. De la moyenne, c'est vrai, c'est 200 bornes, mais on verra l'étape de demain où c'est 140. Vous allez voir qu'on doit être dans les 37-38 de moyenne. Il faut savoir que plus c'est long, plus on gère des efforts, parce qu'au fil des étapes, on s'use. Donc quand c'est court, on va plus vite et puis on a plus la moyenne et normal. Une deuxième étape marquée par des fortunes diverses, tant sur le plan de l'organisation que sur le plan sportif. Des accidents en dehors du parcours et des abandons, sans oublier des sorties de piste. Au finish, des tableaux qui ont permis tout de même à certains de rêver. On avait des difficultés parce qu'il y a des gars à tout prix qui voulaient menacer le maillot jaune qui est porté par mon collègue. Donc il fallait à tout prix combler les trous, fermer les échappées. Donc c'était pas vraiment une journée facile pour nous. On a travaillé, je suis fier de l'équipe. On a annulé les échappées qui ont menacé le maillot jaune. Je suis très content de ça. Gambanda Geoffroy conserve donc le maillot jaune et celui du meilleur grimpeur, tandis que le maillot des points chauds a été arraché par Mokani Leris. Tuta Cédric, quant à lui, conserve le maillot du meilleur jeune. Voilà, nous voici arrivés au terme de ce journal. Merci de l'avoir regardé. La suite de l'information est à retrouver sur les www.gabonnews.com. Bonsoir à tous.